Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution, suite et fin aujourd'hui, si tout va bien, du DLC Le Sanctuaire de Claire. Attention, trois dinos arrivent dans quelques instants, dans 21 secondes, c'est un brachiosaure qui va débarquer, souvenez-vous, on l'avait sauvé. Ensuite, on aura GLL, je pense que c'est Ganymimus. Et enfin, BRY, il me semble que c'est un carnivore, pareil, qu'on avait sauvé. Donc par contre, je me demande où c'est qu'on va le mettre, on devrait faire un nouvel enclos pour lui. À mon avis, ce serait plutôt une judicieuse idée. En tout cas, vous le savez, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Donc déjà, bonne fête à tous, bien sûr, joyeux Noël. Et du coup, je tourne la vidéo le matin. Je suis un petit peu la tête dans les fesses, comme dirait l'autre. Mais on va essayer de faire avec. Alors, transporter le dinosaure, le brachiosaure. On va essayer de le mettre directement ici. Je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement. On va essayer. De toute façon, c'est l'enclos des herbivores, donc on ne risque pas grand-chose. Par contre, pour le BRY, le Gallimimus, je pense qu'on va le mettre ici aussi. Par contre, pour le BRY, il lui faut un nouvel enclos. Ça, c'est sûr et certain. Je vais pas le mettre avec les autres. Donc, directement, on va en faire un ici. Voilà. Alors, j'ai réfléchi un petit peu, effectivement, où j'allais les faire avant de commencer la vidéo. Vous savez très bien que je prépare un temps, soit peu. Voilà, j'ai une ligne directrice, un fil conducteur pour les vidéos. Il paraît que c'est mieux. Obstruction. Ça, c'est un petit peu chiant. Tu vas me détruire ça, s'il te plaît. Nickel. Voilà. Et là, on repasse en construction. Je pense que c'est bon au niveau de la taille. Ouais, je pense que c'est assez grand. On va mettre qu'un seul dinosaure ici, de toute façon. Il me semble que c'est le Baryonyx, non? Si je dis pas de conneries, ça doit être ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ok, on va mettre donc la porte. La porte, on va la mettre là. Très bien, même si j'aurais pu la mettre effectivement en plein milieu. Putain, on dirait vraiment que j'ai suivi la longueur. Non, franchement, il est stylé. Enclos, on va lui mettre à manger. On va lui mettre à manger en attendant de lui mettre un paléo-mangeoire. On va lui mettre un truc classique. Tu vas attendre un peu. Quoique, on peut le transporter, Gallimimus. Vas-y, mets-le directement ici. On est foufou. Par contre, on verra pour le brachiosaure s'il a suffisamment d'espace, s'il n'y a pas trop de population. Parce qu'il y a ça aussi à gérer, hein. C'est pas si évident que ça. Donc là, bim. Ah mais attendez, je peux pas tout faire. Bah écoute, amène-le ici direct. Putain, il me les amène tous en même temps. Attends, j'ai pas le temps gros. Un mangeoire. Voilà. Pour l'instant, on va lui mettre ça. On va l'amuser un petit peu avec des appâts vivants. Allez, il faut l'amuser. On va lui mettre un petit peu d'eau dans l'enclos, bien sûr. J'espère que je gère plutôt bien. On verra s'il lui faut un petit peu de forêt, etc. Alors, le brachiosaure, comment il va? Salut. De la forêt. Ah oui, tu rêves d'une forêt. C'est ça aussi le problème. C'est ça le gros souci, c'est que les autres ils sont peut-être pas trop forêts, tu vois, alors que toi mon grand. Donc on va voir. Il faudra sûrement mettre un enclos particulier. Fais voir les autres, est-ce qu'ils sont bien forêts? Ouais, ça va apparemment, ils acceptent de la forêt les autres. Bon, parce que heureusement c'est un grand enclos. Donc là il en faut encore un peu plus. Ok. Tiens, je te mets des arbres sur la tronche. Énorme. Et ouais, c'est vrai que les brachiosaures, vraiment, c'est arbre à fond, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Nouveau génome viable, le Gallimimus. Et ouais, forcément, on débloque les génomes quand les dinosaures arrivent. Dis-moi, est-ce que ça va? Bon, je pense que ça va mieux pour lui. Hein. Très logiquement, confort, paléobotanique. Il cherche à boire. Est-ce qu'il y a bien à boire ici? Ouais, il y a de l'eau par là. Bon, le temps qui se déplace. Voilà. Et faut... Ah ouais, faut plus de place. Et bah tu sais quoi, pour l'instant on va le laisser là, je pense qu'il va pas trop nous embêter. Par contre c'est vrai qu'on va le mettre dans un autre enclos. Hein. Ouais, je pense que ça c'est un enclos. Hein. Oula, plus de forêt, et effectivement lui c'est type palustre. Donc il faut rajouter un petit peu d'eau encore. Voilà, il en veut plus. Hop hop hop. Il lui faut également des arbres. Pardon, hein, pardon, voilà, tu as des exigences. Je vais essayer de les combler. Hein. Après, il lui faut un peu plus de place encore. Ok. Très bien. Attends, je vais endormir le grand. Je vais endormir le grand parce qu'il peut nous faire nous péter un plomb. Je vais te changer directement d'enclos ensuite. Il est où le grand? Et où? T'es où? Normalement, il est censé être visible quand même. Il est censé être visible. Attends, je le vois pas. Ah, il est là. Nom d'un chien. Je dis bien, il est censé être visible. Alors, on verra si on a des problèmes de son. Comme à l'épisode précédent, c'était assez chiant. Donc là, je vais l'endormir et je m'occupe toujours de lui. Il lui faut plus de place. Hein. Rêve d'une prairie, ouais, j'ai compris. On va t'agrandir un petit peu l'enclos. Ah, il est exigeant. Hein. Pourtant, il est tout seul et l'enclos est assez grand. C'est dingue, non? Surprenant, ouais. D'avoir envie de tant de place. Ah, ça peut le faire? Ouais, je pense qu'il va être content. Allez, je lui rajoute un petit peu d'espace. Est-ce que ça va mieux? Ah, voilà. Et il en voudrait même encore plus. Oh, le gourmand! Le gourmand! Forêt, on est bien. Palustre, un peu plus d'eau. Je pense que je vais lui mettre encore plus de place. Hein. Ouais, je pense que je vais lui mettre encore plus de place, regarde. Je vais lui agrandir. À la limite, on peut l'agrandir aussi. Non, pas en... Ouais, c'est ce qu'on peut faire, regarde. On peut faire ça comme ça. Voilà. On va l'agrandir ici. Ça fera un petit peu un décalé.
C'est pas dégueu. Comme ça, moi, si j'ai envie de lui mettre un collègue, ce sera possible. Voilà. Voilà, franchement, je fais tout pour lui, hein. Tout ça, c'est pour toi, mon pote. Voilà, c'est parce que c'est Noël. Palustre, on est bien, là? Là, on est bien. Un peu plus d'eau encore. J'essaie vraiment de le satisfaire à fond. Lui faire plaisir, quoi, tu vois. Par contre, un peu plus, c'est possible. Voilà. Là, franchement, t'es chez toi, mon pote, hein. Là, franchement, ouais. C'est pas mal, hein. Un petit peu d'arbres, un petit peu de forêt, pas mal de place. Franchement, si t'es pas content, je ne comprends pas. Donc lui, je l'ai endormi parce que je veux faire un nouvel enclos. On va lui faire un grand enclos. Pareil, avec des clôtures en acier renforcé. On va le faire ici. Attends, je vais le coller un peu plus. Voilà. Ah, par contre, il faut un big enclos, hein. Parce que ça, c'est des dinosaures qui sont quand même gigantesques. Et puis, on profite un petit peu de la place que nous offre cette île, hein, mine de rien. Hein. On n'est pas en manque de place. C'est bien comme ça. Putain, il est gigantesque. J'ai l'impression que plus on avance, en fait, plus mes enclos sont grands. C'est ça le truc. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Là on est bien. Là je fais plaisir à tout le monde. Ouais. Voilà. C'est bon. Ça c'est fait. Donc le brachiosaure, on va pouvoir le placer ici. Direct. On a 425 000 dollars par minute de bénéfice. C'est bien. Votre sélection de plantes attends, non, doit pour le déplacer, c'est pas comme ça. Des animaux présents dans les enclos. Ouais, je sais, Cabot. Je n'ose imaginer ce que vous ferez subir un dino mécontent. Quoique, si. J'imagine très bien, en fait. Allez, la porte. Voilà. Ensuite, ici, nous allons... Est-ce qu'on met un mangeoire? Non, je pense que je vais mettre direct un mangeoire... Attends, ça dépend ce qu'il veut, le brachiosaure. Je sais pas ce qu'il aime exactement. On va commencer par lui mettre un mangeoire classique. De toute façon, on a de l'argent, on a 7 millions, hein. C'est pas un souci, donc un mangeoire pour grand herbivore. Puis après, on mettra des... De meilleurs mangeoires, de la meilleure bouffe. Ouais, parce qu'il y a moyen d'augmenter encore leur espérance de vie, etc. C'est quand même plutôt important. Donc assurez-vous que les dinosaures actuels et les nouveaux arrivants restent confinés dans leurs enclos. Donc là, il faut juste patienter pour le brachiosaure. Sinon, les autres, je pense que c'est bon. Le Gallimimus, il est là. Il est bien, faudra peut-être lui en faire un deuxième. Voilà, histoire qu'ils soient encore mieux. Mais j'ai pas envie non plus de trop surcharger l'enclos. Faut pas déconner. Mais quand même, est-ce qu'on a le Gallimimus? Oui, 50%. VBT plus 40, très bien. Écoute, est-ce qu'on peut modifier un tout petit peu son génome? Éventuellement. Quoique non, on va lui mettre un normal pour l'instant. Je vais lui mettre un collègue avec lui. Même deux. Allez, on lui en met deux. Soyons fous, je dépense sans compter. Voilà, le brachiosaure, j'espère qu'il va être bien ici. Faut lui faire un petit peu d'eau également. Faut lui faire un petit peu d'eau. Contrainte de terrain, voilà. Là, il y a de l'eau, tu lui en fais un petit peu ici à la limite. Voilà, nickel. Voyons voir, comment ça lui va? Nourriture, ah il a faim. Il est affamé le pauvre. Donc c'est bon niveau interaction population, il est pas trop chiant. Niveau prairie, il y a assez de place. Même si, eh ben étonnamment, ça le dérangerait pas d'en avoir encore plus. En même temps, bon, ils sont grands hein, ces animaux hein. Ouais, faudrait voir si on fait pas encore un petit peu plus grand. Finalement je pensais voir trop grand mais non. Pas du tout. Très bien. Allez, on tient plus que 13 secondes et ce sera terminé pour cette première partie de la mission. Voilà donc l'arrivée de nos dinosaures rescapés. Et après qu'ils se sentent plutôt bien dans leurs enclos. Pour l'instant, ces missions réussies. Ce qu'on va faire également, c'est placer tout de suite ici, regardez. Bien joué. Les dinosaures semblent se plaire dans leurs nouveaux enclos. À présent, tâchons d'organiser une visite jurassique afin que les visiteurs puissent voir nos progrès en chair et en os. Qui a dit qu'on ne peut pas apprendre en s'amusant? Nos dinosaures sont prêts, et nous devons l'être nous aussi. Alors ce qu'on va faire c'est également, quoique ici, est-ce qu'on va pas le laisser tout seul lui? Ah donc pour l'instant je mets pas de labo ici, peut-être que le Baryonyx je vais le laisser tranquillement en solo dans son enclos. On va peut-être pas chercher. Là par contre je vais rajouter les deux Gallimimus. Venez par ici mes deux petits. Petit. Histoire de tenir compagnie à votre collègue quand même. Pareil que ça se fait. Voilà, cool. Faudrait également racheter des commerces parce que souvenez-vous, on en avait récupéré. Donc ça, pour gagner plus, c'est très important. Bim, visiteur, qu'est-ce qu'on a? Ah, il faudra aussi, attendez, continuer un petit peu les explorations, les expéditions du moins. Allez, ça faut s'en occuper. Hein. Donc, Carnotosaurus, je pense pas que ça va nous servir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a ça. Là, qu'est-ce qu'on a là-haut? Baryonyx, tiens, on va continuer avec le Baryonyx. À fond. Si jamais on veut en mettre un autre, même si pour l'instant, je reste plutôt sur le laisser en solo. Voilà, mais on sait pas, on verra. On a de nouvelles recherches aussi. Ouais, tiens, on va essayer de prendre ces trucs.
Parce qu'après, vu que je suppose qu'on va devoir modifier leur régime alimentaire. Voilà, c'est vrai qu'il faut un poste électrique. Niveau alimentation, d'ailleurs, est-ce qu'on est bien? Il nous reste 34... quoique, il faudra bientôt mettre une nouvelle centrale. Hein. Bientôt, effectivement, une nouvelle centrale. Là, on met un grand poste électrique. Qu'on va placer... Allez, ici. Ouais. Qu'on place ici. Et là, on va relier directement un pylône. Super, comme ça, au moins, c'est alimenté. Il faut également mettre un chemin. Alors, il est ici, le chemin. Je vais le relier. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr. Voilà, nickel. Je fais ça de manière brouillon, hein. Oui, je sais, c'est pas très esthétique. Bon, enfin, bon, c'est mieux que rien. Amélioration. Vitesse d'incubation. Et là, après, j'aime bien, par contre, amélioration de la viabilité. Parce que vu que j'essaye de faire incuber des dinos quand même assez, assez costauds, avec des grosses notes, histoire que les visiteurs soient intéressés. Alors pour l'instant c'est pas ouvert au public hein. C'est vraiment et je disais des conneries hein, les autres fois. C'est vraiment mes employés. Effectivement c'était pas le grand public. Le parc n'est pas encore ouvert hein. Là on est encore en phase de faire sécuriser l'ensemble. Tu vois parce qu'il peut encore y avoir quelques petites sorties impromptues. Donc ça ok. Tout va bien. Alors ensuite qu'est-ce qu'on doit faire? Mener des recherches et créer une visite jurassique opérationnelle. Ah d'accord j'avais même pas lu. Faites en sorte que la visite jurassique traverse plusieurs enclos. Eh, j'ai même pas écouté, ça se trouve, ils l'ont dit. Donc ouais, je fais ça très bien. Est-ce qu'il faudrait pas mettre éventuellement un deuxième brachiosaure? Ouais. Brachiosaure, je vais en mettre deux autres. Deux autres, ça peut être bien. Est-ce qu'on peut... Alors, j'ai pas envie de modifier le génome. Non, on va les faire comme ça. Ouais, on va les faire comme ça. Allez, deux brachiosaures supplémentaires. La expédition terminée. Bim. Prélève-moi tout ça, s'il te plaît. Par contre, le Bionix, ouais, on va pas aller plus loin avec lui, je pense que... Ça sert à rien, on va plutôt rechercher les autres éventuellement. L'Uranosaurus, oui. Non, quoique on était à 100% déjà, non? Je me souviens plus. Gallimimus, tiens, s'il faut en mettre d'autres. Ça peut être intéressant. Là on a le Carnotosaurus, c'est pas super. Brachiosaur, ouais. Bon, trop tard du coup, hein. Je les ai incubés. Enfin, en tout cas, j'ai commencé les incubations. Très bien, donc on va faire cette visite jurassique. C'est parti. Alors, par contre, faut le rechercher, non? Ah, on doit pas l'avoir. Je suis bête, moi j'y vais comme ça, sauf que... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça doit être ça. Yes, visite jurassique, donc recherche. On va en profiter pour faire d'autres recherches. Bon, les coutures comme ça, honnêtement, je pense que c'est pas utile. Par contre, amélioration, bâtiment, etc. C'est toujours très cool. Production améliorée 3.0, je vais prendre ça. Donc voilà, j'ai mes deux équipes de recherche sur le coup. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Est-ce que là, au niveau des besoins... Ah oui, je voulais vérifier au fait, parce que c'est vrai que ça allait assez vite autrefois. Là, on a contenu de la mangeoire, prêle. Est-ce que ça convient totalement à mes dinosaures? Stégosaure, assimilé. Eh ben non, ça leur va pas. Oh, intoxication par prêle, moins 50% de... Ah bah non! Ah bah non! Il faut... Attends. Fais voir les autres. Fais voir les autres. Ils aiment quoi? Sika second choix. Et est-ce que l'autre... Attends. C'est lui, Sika second choix? Ah non. Sika, il aime pas. Ah, c'est lui qui aime Prel. En fait, faudrait les changer, eux. Ah, attention, intoxication par Sika. Eux, faudrait les changer. C'est quoi? Je vais les mettre avec les brachiosaures. Ouais. Je vais les mettre avec les brachiosaures, je pense. Allez, je vais les endormir. Oh, c'est terrible. Je vais endormir, donc. Lui. Ce qui va s'intoxiquer de ouf. Confirmé. Lui. J'ajoute ça à la liste. Il me semble que c'est tout ce que j'ai comme dinosaure dans le style. Hein. J'en ai que deux, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai plus que deux comme ça d'ailleurs. Yes. Je vais les endormir, je vais les faire passer plutôt avec avec les brachiosaures ici. Comme ça, pour l'instant, il n'y a pas de petits mangeoires pour eux. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus sain. Donc, rappelle-moi, attends. Rappelle-moi exactement. Eh ben, je peux pas le sélectionner? Bon, il va s'endormir du coup. Ok. Il panique. Palmier, prêle, bois. D'accord. Je vois. Donc on va essayer de développer... Alors on a le bois. D'accord. Attends, est-ce qu'on peut débloquer ça aussi? Non, pour l'instant on est qu'en 1.0. Donc je mettrai du bois du coup. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va rester pour l'instant sur du bois. Après on changera peut-être le truc. Mais là donc il nous faut... Parce que les grands brachiosaures, ils ne mangent pas les petits dans les petits... Dans les petits mangeoires, hein, donc pas de problème. Allez, on va le mettre là. On va le mettre là. Là, je vais faire la sélection. Sélection, il me fallait quoi? Je voulais du bois. Donc, on sélectionne et on confirme. Voilà, déjà, ça lui ira. Après, je demande à une équipe de le remplir.
Ah là, il faut y aller, hein. Faut pas hésiter, hein. Hop, équipe de garde, ajouter une tâche. Ok. Et là, bim, tu vas me remplir ceci. S'il te plaît, en route vers la mangeoire. Après, faudrait rechercher les autres trucs aussi. Ouais, c'est quoi, je vais rechercher les autres machins. Tant qu'on y est, hein. Il y en a quelques-uns qui sont débloqués d'ailleurs. Enfin, qui sont bloqués encore, du moins. Ok. Là, tu vas me vendre ça. On se fait un petit peu de pogne. Carte d'expédition, on va continuer à rechercher tout ça. Pour l'instant, bon, je crois pas qu'il y ait des dinosaures super intéressants pour nous. Là, c'est partiellement fouillé. Voilà, ça rapporte un petit peu d'argent aussi, donc autant le faire. Est-ce qu'on a, du coup, maintenant... logiquement, on a ce qu'il faut, hein. Attends, tiens, je vais rechercher salle d'arcade. Ah, mais j'ai mes équipes encore sur le coup, je suis con. Ah oui, sur les fougères et tout. Donc, on va commencer la visite jurassique. Allez, logiquement, on l'a, hein. Je dis bien, logiquement, ça doit être dans visiteur, non? Non, ça doit être dans opération. Non, ça doit être dans enclos. Pas du tout. Si, c'est dans enclos. T'as le mec, il va tous les faire, hein. Divertissement 4 étoiles. 400 000. Ok. Alors, on va faire ça comment? Ouais, je pense qu'on va le faire passer par là, après. Faites en sorte que la visite jurassique traverse plusieurs enclos. Ah, donc deux, ça suffit. Non, parce que là, du coup... D'ailleurs, tiens, il faudra mettre des observatoires. D'ailleurs, non, on peut pas le faire passer là-bas parce que c'est carnivore, là aussi. Donc, puis là, après, avec la route, avec le chemin, ça va être la galère. Du coup, je pense, ouais, on va passer juste par les deux gros enclos des herbivores. Ce sera déjà pas mal, non? Ouais, franchement, ce sera déjà pas mal. Allez, bon, on va le faire comme ça. Ça va, comme ça? Allez. Eh ben, on fait le safari? Obstruction. Attends, je vais le faire contourner. On va essayer de faire ça propre. Ah, c'est un petit peu casse-bonbon, par contre, avec les arbres, là. On peut continuer. Voilà. Oh! Casse-couille! Ah bah, l'eau aussi. Ah bah, bien. Ah bah, bien. Attends. Du coup, ça va pas aller, ça. Ouais, faut que je retire l'eau, là. Sur le côté. Faut que je puisse passer. Et j'ai mis de l'eau de partout, en plus. Oh là là! Puis il fait nuit. Pour la construction, c'est pas top, hein. Alors, on va revenir ici. En chantier. Ah bah, attends, c'est en chantier. On peut pas encore... J'en profite pour faire l'allée. Voilà, on va le mettre là. Attends. Ah non, ça va pas le faire parce que là, après, on va revenir par là. Oh, comment on va faire? Ah d'accord, ok, ah, non, non, attends, parce qu'il faut prévoir. Après, vu qu'on va revenir par là, il va y avoir un souci. Ouais, on va faire le tour. Il va y avoir un souci, après, tu vois ce que je veux dire? Ça, ce sera pas relié. Donc ça, il faut faire le... Ah, mais on est coincé! Ah bah non, c'est pas bien ce que je fais. Comment je peux faire? Attends, parce qu'après, ça va revenir par là. Ah, je peux plus traverser. Ah, c'est étrange comment on va faire. Ou alors je vais faire passer un chemin par là, mais pour y accéder ça va... Attends, je vais essayer de faire un truc là, de tricher un petit peu. Ouais, je vais essayer de tricher un petit peu. Eh non, je peux pas parce que l'un dans l'autre, là après, quand je passe par là, c'est pareil. Oh ! Je vais être obligé de... Comment faire ? Je peux le mettre vachement... Eh ben non. C'est elle qui fout la merde. Ah, c'est chiant. Alors, attends que ça puisse incuber, là. Attends. C'est un peu chiant. Attends, avant de faire la visite du jurassique, là, parce que je suis un peu embêté. Je suis même très embêté, pour être franc avec vous. Je vais attendre que ça s'incube entièrement. Je vais les faire rentrer à l'intérieur. Après, je pense que je vais la retirer. Je vais la mettre plutôt... Ouais, plutôt à droite. Parce que, du coup, là, ici... faudrait plutôt passer là. Parce qu'au niveau du chemin, après, je peux le relier là. Bref, t'as compris, parce que ça va cuter et je pourrais pas finir de construire tout ça. Ah, c'est très chiant, là. J'avais pas pensé à ça. Ouais, on peut croire que c'est très simple, mais pas du tout. Là, tu vas remplir le petit mangeoir ici, s'il te plaît. Voilà. Parce que quand même, faut s'occuper des autres, hein. Important. Attends, d'où il y a autant de trucs, là? Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, tu leur laisses tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de mangeoires, mais enfin, bon. Je te l'accorde. Donc, ensuite, faut s'occuper de ces deux. Tu vas les mettre avec les brachiosaures. S'il te plaît. Faudra peut-être agrandir un petit peu l'enclos, d'ailleurs. On va le mettre ici. Je les avais carrément oubliés, les deux. Je me trompe pas, hein. C'est là. Voilà. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça va. Ouais. Il faudrait que j'agrandisse un peu, je pense. 98, on attend un petit peu. On va les faire rentrer tout de suite. Il y avait 90% de chance, hein, pour les incubations. On n'a pas pris trop de risques non plus. Hop. Le premier. Et le deuxième en liste d'attente. C'est très bien. Donc, ouais, ce bâtiment. Ce bâtiment, il est bien placé.
Mais du coup, je vais attendre que ça arrive. Hein. Mais du coup, c'est juste lui qui est relou. Quelle mangeoire il faut remplir? Ah ouais, celui-là. Ok. Attends, allez en route, hein, je vais en profiter pour lui dire de le remplir également. Et tu vas me remplir l'autre. Un peu de gestion à faire, bien sûr, entre-temps. Ah, ça bosse dur, hein. Ouais, pour la construction du coup du tour jurassique. On va attendre un peu, ils sont rentrés? Non, pas encore. On va voir également si ça se passe bien avec les autres. J'ai un peu peur, peut-être qu'on va devoir faire... ouais. D'autres... c'est comment déjà Sinoceratops? Je sais plus exactement. Attends, je vais retrouver le blaze. Sinoceratops, c'est bien ça. Oh, quelle mémoire. C'est rare que je me souvienne aussi bien. Super. On va continuer également les expéditions, tiens. Si on peut avoir un petit peu Sinoceratops, hein, si jamais. Brachiosaur. Stego. Stego, on s'en fiche un petit peu. Carnot. Là, c'est fini aussi. Ok. Il n'y a plus grand chose en fait. Plus beaucoup de sites de fouilles. Tiens, Gallimimus. Sino. Ah bah les deux sont là. Les deux qui nous intéressent. Impeccable. Prélève. Là, tu vends. Tu vends aussi. Bon. Je pense que je peux la supprimer. Voilà. Je vais la supprimer. Celle-là aussi, du coup. Non, c'est le chemin qu'il faut supprimer. Voilà. C'est juste ça qu'il faut supprimer. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le labo. De toute façon, il nous faut un labo, hein, ça c'est sûr. On va le faire plutôt... Attends. Réfléchir, parce que là, du coup, après, ça va revenir par là. Faut lui faire faire le tour, quoi. Ouais, je suis obligé de le mettre là. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Au pire, ça dérange pas si je le mets là. Bah non. Allez. Par contre, il me faut un nouveau poste électrique. Ça coûte juste des sous en plus parce que j'ai dû supprimer et tout. Bah là voilà, il faut faire le tour en fait. Parce que je vais être coincé par le parcours, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais le mettre là. Mais je vais être coincé par le parcours du safari. C'est ça le délire. Donc là, il me faut un grand poste électrique. Ah, c'est compliqué, hein. Ah oui, c'est très compliqué. Attends, je vais le mettre plutôt sur le côté, là, si jamais j'ai envie de faire quelque chose. Là, ça me paraît bien. Tiens, je vais le relier ici. Je vais le relier ici. Voilà. Ça c'est cool. Donc c'est alimenté très logiquement. Faut attendre la fin de la construction. Et là on va pouvoir continuer ceci. Nous disions donc modifier l'itinéraire. C'est un compliqué. Donc par contre maintenant, de quoi menace le dinosaure? Comment ça? Comment ça, comment ça? Ah oui, parce que t'es en train de remplir. Attention! Oh là mon dieu, 8%. Ah, il est énervé. Et t'as 8%, je suis complètement cassé. Ah mais la voiture elle est morte quoi. Ah non, c'est juste que je suis bloqué en fait. Ok. Bon, essaye de sortir de l'enclos vivant, s'il te plaît. Ah, je suis ralenti, il fait peur, il est en train de me crier dessus. Ah mon dieu. Vas-y, ressort, ressort. Casse-toi. Très rapidement. Super. Expédition fossile. Pareil. Je vais juste le faire un petit peu manuellement parce que c'est vrai que l'IA, elle a un peu pété. Quand même. Elle est un peu beaucoup pété. Donc, nous disions... Et arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. Nous disions... Modifier l'itinéraire. Là, maintenant, il faut qu'on passe... Ici. Sur le côté. Voilà. On va passer ici. On va y arriver. L'eau va nous gêner. On va essayer de passer au milieu, quand même. Ça peut être sympa. Mais l'eau, effectivement, risque d'être relou. Voilà, on arrive à passer au milieu. Franchement, c'est cool. Tournant 3 brut. Contrainte du bâtiment... C'est-à-dire, comment ça, contrainte du bâtiment? Comment ça? Ah, ça a annulé tout ce que j'ai fait? Non, j'ai eu peur, je croyais que ça va annuler tout ce que j'avais fait. Attends, faut revenir ici. Hop, et modifier l'itinéraire. Dinosaure mort, ça c'est chiant. Mode destruction, attends, tu vas juste me faire ça. Là. Voilà, tu ressors ici. Et on va passer à l'autre enclos. Là. Et d'aller un petit peu au milieu, s'il te plaît. Ah, y a une obstruction. Mais on peut y aller quand même, là, regarde. Voilà, comme ça. Histoire qu'on puisse bien observer tous les dinos. Eh, franchement, c'est classe, comme ça. C'est bien. Bien comme ça, non? Ça me paraît cool. Allez, bon, on ressort direct. Voilà, y a le chemin qui va nous déranger, ici. Mais, on va le supprimer. Non, putain, j'ai supprimé. Je l'ai supprimé comme un con. Voilà, maintenant on passe au milieu. Nickel. Et on conclut le safari. T'as compris un peu le délire?
Et tu comprends pourquoi je ne pouvais pas laisser le labo ici? Parce qu'en fait, ça allait couper. Ça fait un arc, et donc du coup, fallait passer derrière. Voilà. Je pense que tout le monde a compris, je suis pas obligé de me justifier. donc, nous disions. Le chemin, on le refait. Et on va le relier ici. Voilà. C'est tout bon. Et voilà. Mission terminée. Bah, c'était pas long, hein. Ah ouais, apprendre en s'amusant. Wouh. Très bien. On va débloquer plein de trucs. Alors là, je suis impressionnée. Notre sanctuaire commence vraiment à prendre forme. C'est une facette de la vision de John Hammond en laquelle j'ai toujours cru. Et Simon Masrani aussi. J'aimerais tant qu'il soit là pour voir ça. Il serait si fier de tout ce que nous avons accompli. Je vous remercie, du fond du cœur. Bravo! Ça commence à me rappeler le bon vieux temps. Comme le parc d'avant, mais avec moins de hurlements. Eh oui, mon cabot. Alors attends, on va améliorer un petit peu. On va remettre des petits stiggies, tant qu'on y est. On va remettre des petits stiggies. On a réussi déjà une mission aujourd'hui, je suis content. Hein. Franchement, je pensais pas que ça allait aussi vite. La vidéo d'hier, on a fait une seule mission, ça a duré 1h40 d'enregistrement. Là, on en est encore très très loin. On a déjà fait une mission, quoi. C'est la folie. Tant mieux, hein. Allez, 38%. Par contre, niveau... on a combien de pourcents en plus? Attends, je regarde. Vitesse d'incubation... Ah ouais, attends, faut qu'on change ça. Amélioration de l'habilité, j'en mets deux au moins. Voilà, et par contre, ce qui serait bien... vitesse d'incubation, 2. Voilà. Ce sera très bien comme ça. On va rajouter 2 stiggies, je pense. On va rajouter 2 stiggies, ça me paraît cool. Hein. Voilà. Très bien, très bien. Pour retirer le dinosaure mort, 1 de perdu, 2 de retrouvé. Allez, nouvelle mission. Bon, Cabot Finch me met la pression. En fait, j'avais passé un accord avec la Fondation Hammond pour tenter de sauver les dinosaures. Et sans votre aide, ça n'aurait pas été possible. Alors merci. Mais en contrepartie, la Fondation voulait un jour ouvrir le sanctuaire à un plus grand public. Ok, alors j'avais peur de ça, mais effectivement... Nous allons ouvrir le site aux visiteurs. Mais cette fois, il faudra faire les choses correctement. Sécurité des visiteurs, bien-être des dinosaures, la totale. Et voilà, le moment que j'attendais avec tant d'impatience. Faisons du sanctuaire un succès retentissant. Effectivement, comme je le disais, j'avais un peu peur, mais il faut avoir un bénéfice de 500 000 dollars par minute. Donc on va devoir investir dans des bâtiments style fast-food, etc. J'ai débloqué la salle d'arcade, il me semble aussi. Hein. D'ailleurs, attends, on va regarder si on peut pas débloquer d'autres. Tiens, ah, palmier et tout. Allez, par terre, ça c'est important. On va développer ça aussi. Paléo mangeoire pour grand herbivore. Ah, mais on les avait pas? Ah ouais, on les avait pas pour... Bah, c'est pour ça en même temps que j'avais pas eu l'idée de lui en mettre. Hein. Bon, carte d'expédition. Mais aussi Raptor Galliminus. Attends, faut commencer à rechercher les autres. Bah ouais. Kentrosaurus, il nous le faut, il me semble. Kentrosaurus. Et c'était lequel, l'autre? Polacanthus. Alors attends, Polacanthus. Polacanthus, il est où? Ah bah il est là, il est avec le Baryonyx. Ok. Bah faudra rechercher ici. Et au sud de l'Afrique. Ok. Voilà nos deux prochaines objectifs côté génome. Et là par contre pour les bénéfices on va devoir faire des commerces. Attends. Le Stiggie, je vais l'envoyer. Il y a tellement de choses à faire à la minute, c'est dingue. Les deux Stiggie je les mets. Par contre là on a bien modifié du coup. Attends mais prêle, je vérifie quand même. Ah non, 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 mais ça, ils aiment pas, hein. J'ai pas modifié. Je pensais l'avoir fait. Attends, eux, ils veulent quoi? Du coup, faut y penser, hein. Ils vont mourir plus vite. Moins 25% d'espérance de vie. Mousse, cicasse. Ah, mais oui, je voulais mettre les cicasses parce qu'en fait, je voulais attendre de transférer les autres. Parce qu'ils étaient, allergiques à ça, les autres. Donc maintenant, je peux mettre cicasse. Est-ce que je l'ai? Attends. Ça aussi, c'est pareil. Est-ce que je l'ai, cette plante? Je crois pas en plus. Ah mais déjà faut avoir des parterres en plus. Ah ouais j'ai lancé la recherche. Ah c'est pour ça c'est quand même compliqué. C'est pas offert quoi. Sika, je vais vérifier si j'ai bien le truc. Est-ce que j'ai la plante? C'est pas ce que je suis en train de rechercher. Ah je dois l'avoir alors. Mousse. Je regarde. Bois, graminé. Ah je l'ai, d'accord. On va prendre des palmiers aussi, tiens tant qu'on y est. Par contre les parterres, ouais faut avoir les trois. Voilà, comme ça au moins on aura plus de place, on pourra planter davantage et je pense que c'est important. Hein.
Tiens, faudra développer ça aussi. Bref, j'ai envie de tout faire, moi, c'est dingue. Et j'aimerais bien toujours vérifier comment vont les autres, tu vois. On est déjà quasiment à 480 000 dollars, donc on est bien. Pour l'instant, ça roule. Il va nous falloir plus de commerce aussi, hein. Il va nous falloir forcément plus de commerce, mais là, pour l'instant, on reste sur eux. Normalement, ils sont bons. Ah mais non, parce qu'on n'a pas encore mis, c'est juste un mangeoir classique. Bah ouais, donc pour l'instant, non, c'est pas ouf. Là, par contre, c'est un bon mangeoir. Normalement, eux, ça doit aller. 20%, voilà. Eux, ils sont bons. C'est pas des palmiers, les gars. D'ailleurs, pourquoi je leur ai pas mis des palmiers? Ah, parce que je l'avais pas, la plante. C'est juste pour ça, parce que je l'avais pas. Du coup, faudrait développer. Maintenant qu'on a l'amélioration, il me semble, 2.0. Voilà, on a une case en plus. On peut cultiver 6 cases. Ce sera pour l'enclos des stégos, ça. Alors, c'est pour les pachis, les stégos. Et tu vois, il fallait pas que les cératopes, ils y soient. Voilà, ça c'est important. Du coup, on va planter ça. Ça coûte 100 000. T'en es quasiment à 12 millions de budget. Tu te rends compte comme on a moins de stress quand même quand on a beaucoup de sous. C'est fou. Qu'est-ce qu'on va déverrouiller là? Ah oui, bah le mangeoir, tiens, pour les grands herbivores, je vais lui mettre. Le paléo-mangeoir du moins, pardon. Paléo-mangeoir. On va remplacer, on va le mettre juste à côté, hein. De toute façon, c'est pour le remplacer. Qu'est-ce qu'ils aiment du coup les brachiosaures? Ils veulent fougère. D'accord. Fougère arborescente. Je vais leur mettre ça. Je pense que je vais remettre que ça. Mais est-ce qu'on va débloquer les fougères? Eh non, je crois pas que je l'ai dans la serre encore. Hein. Eh non, je ne l'ai pas. On a le 3.0. Super. Est-ce qu'on peut prendre des fougères? Oui. Super. Surtout que bon, vu que c'est un truc en hauteur, les petits vont pas aller y toucher là-haut, tu vois. Donc pas de problème. Allez, on va développer également fougère arborescente. Tiens, un petit souci de texte. De superposition, mais c'est pas grave. Oh, attention, épidémie! Attention, je m'en occupe. Ce jeu est juste ultra prenant, c'est dingue. Épidémie, elle est où? Elle est là. Ok. Page bien reçue. Ah, c'est un petit Gallimimus. C'est un petit Gallimimus. Là, est-ce que tu vas sélectionner du coup ce qu'il fallait? Eh non, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc pour l'instant, je leur laisse leur mangeoire habituel. Et dès que je peux mettre ça, je m'en occuperai. Le cicasse, c'est bon. Donc le cicasse, on va le changer ici. Enfin, on va l'ajouter du moins. Parce que c'est en train d'intoxiquer certains de mes dinosaures. Donc, s'y casse. Voilà. Est-ce qu'il faut re-remplir du coup? Ah mais non, attends. Confirmer la sélection. Oui. Attends, j'ai mis le bon? Merde. Ah, j'ai mis prêle. Mais non. S'y casse, on veut. Voilà, juste s'y casse. Et maintenant, faut re-remplir. D'accord, c'est ce qui me semblait. Donc, clac. Acheter une tâche. Va me remplir ça s'il te plaît, t'en profiteras. Non, on va enlever celui-là. Faudrait vraiment qu'ils aillent tous sur le même. Vraiment qu'ils aillent tous sur le même. Donc on est d'accord que là c'est bon pour eux. Six casse, c'est bon. De toute façon, il n'y a que deux styles de dino là-dedans maintenant, vu que j'ai retiré l'autre. C'est bon, nickel. Par contre, eux ils vont pas être contents les Stiggy parce que j'ai enlevé Prel. Du coup, ils vont me dire, mais non, c'était notre plat préféré, t'abuses. Je comprends. Donc, alors attends, faudra remplir là aussi. Il y a toujours un... Eh, hey, il y a toujours un souci là. Eh, hey, oh, tu t'occupes de ça, gros. Ah, là aussi, il faut définir les plantes. Ah, mais non. D'où il y a un grand, là? Attends, mais quand j'ai mis ça, moi? Quand j'ai mis ça? Bon, enlève-le. Enlève-le, du coup. Donc là, ouais, on va attendre. Est-ce que la plante est développée? Fougère, ouais, c'est bon. Donc on peut y aller. Allez. Nous voulons, mesdames et messieurs, fougère. Sélectionner. Et on confirme. On veut juste ça. Je reconfirme que c'est bien ça, leur préférence. Ma préférence à moi. Très bien. Je pourrais même leur mettre un petit mélange. Attends. Attends. Parce que je pense qu'ils préfèrent encore les mélanges. Conifère et Gingo. Ah mais je les ai pas, je crois. Ils sont pas plantés dans ma serre. Non, bah tant pis, on leur laisse ça, hein. Ça ira très bien. Par contre, il s'est toujours pas occupé de ça. Eh hey, mais gros, tu pars, t'as même pas fini le boulot. Eh oh, on n'arrivera jamais à contrôler l'épidémie si tu fais comme ça. C'est pas cool, hein. Donc, fougère. Voilà, maintenant, faut s'en occuper, faut aller ravitailler. Je vais envoyer ma deuxième équipe. S'il te plaît, va t'occuper de ça. Merci bien. Ok, ça c'est bien, tu vas aller remplir là-bas aussi après si tu peux. Ça me paraît pas trop mal.
Bah, et aller guérir lui si l'autre le fait pas, du coup, hein, ce serait pas mal. Parce que là, l'épidémie, pour l'instant, n'est pas contrôlée. Hein. Je n'aime pas ça. Ce qui serait bien aussi, éventuellement, c'est de mettre des stations météo. J'y pensais avant, là, parce que c'est quand même super risqué ce que je fais. Hein. Et des abris. Attends, je crois qu'il n'y a pas d'abris. Ah ouais, je vais mettre des abris, attends. On va pas le faire rentrer ici. Je vais en mettre un par là. Ouais, par là. Je sais pas trop. Là, ça rentrerait? Ouais, ça rentrerait là. Nickel. C'est parfait pour un abri. Si jamais il y a une tempête, un truc, ça peut faire très mal du coup. Hein. Je pense que c'est une bonne chose. Et également en mettre un deuxième. Regarde, parce que là... Je pense que ici, c'est vraiment sa place, quoi. Je vais en faire un là. Il en faut au moins deux pour avoir une bonne couverture, bonne protection. Il faudrait une station météo aussi. Pour savoir justement quand ça arrive. Tu vois là, tout ça c'est la sécurité, alors on n'est pas obligé, mais je pense que c'est quand même super important. C'est où qu'on prend ça? On l'a... Attends, on va peut-être pas débloquer la station météo. Ah mais d'accord, faut la débloquer. Bordel. Attends. Bâtiment. Yes, station météo. Je voulais également la salle d'arcade, tiens, on va essayer de débloquer quelques commerces. Parce que là, vu qu'il faut qu'on arrive à 500 000 de budget, enfin de bénéfices par minute, ça va demander un bon bout de temps. Bon, par contre, mes équipes sont bien gentilles, mais... Je vais le faire. Je vais le faire parce que ils sont nuls. Alors. Ouais, je vous réapprovisionne, pas de problème. J'arrive, mes loulous, j'arrive. Calme-toi, 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 calme-toi. C'est bon. Allez. Salut! Allez, je t'administre un médoc, mon grand. Arrête de bouger, merci. Ah, lui là-bas, par contre, il est parti. Oula, ils sont hostiles. Ils sont hostiles. Ils sont énervés. Je ne suis pas bien accueilli ici. Allez. Let's go. C'est bien. C'est bon, c'est contrôlé. Bah tu vois, si on le fait pas soi-même, ça ne fonctionne... Ah, ça ne fonctionne pas. Du coup là, ça me paraît bon. Hein. Allez, je me casse d'ici. Tout de suite. On s'en sort bien. Pour l'instant... Ça progresse tranquillement. On va continuer également les recherches. Après, on posera des nouveaux commerces. Expédition. Donc, il nous faut. Votre sélection de plantes doit répondre aux besoins des animaux présents dans les enclos. Je n'ose imaginer ce que vous ferez subir un dino mécontent. Quoique, si, j'imagine très bien en fait. Fait le marrant. Alors, le Kentrosaurus. Et pour l'instant, attends, il est à 0%. Ah, mais on n'avait pas encore commencé. Et on se traîne hein, pour les expéditions, hein. Ah ouais, parce qu'il nous les faut absolument, ces dinosaures, je pense. Eh ouais. Bon, tout va bien pour eux, là, j'ai toujours peur. Ça me paraît bon. Est-ce que t'as rempli? Ouais, c'est bon. Donc on va supprimer ce truc-là. Maintenant, vous mangez ça. Normalement, c'est votre plat préféré, hein. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Normalement. Mangeoire nocif pour les anquilles et les pachis. Ah bah si, faut quand même faire attention, alors. Même s'ils sont en haut, peut-être qu'ils peuvent grimper, je sais pas, comme Spider-Man. J'en sais rien. Ça me paraît bizarre, mais enfin bon. Apparemment, c'est possible. Non, sinon, je suis rassuré. Pour l'instant, on a compris le principe et ça gère plutôt bien. Ok. Maintenant, il nous faut des commerces. Faudrait aussi un hôtel. Faudrait pas mal de trucs comme ça. Mais on a débloqué, regardez, station de vigilance météo. Ça, je veux. Je vais le mettre où? Je vais le mettre à côté de l'abri. Ah, par contre, y a pas d'électricité là? Non. Ah, je vais le mettre là alors. Non, c'est moi, je vais le mettre là. Ici? Mais comment ça, il n'y a pas d'électricité? Putain, où je veux la mettre, c'est pile poil la zone où il faut pas, c'est quand même quelque chose. Bon bah écoutez, je vais le mettre là. Hein. C'est pas très stylé, en plein milieu. Mais bon, c'est comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'on a eu une perte de son. Pareil, au bout de 40 minutes d'enregistrement. Hein. C'est à peu près ça à chaque fois, c'est très chelou. Ça veut dire que quand on pose quelque chose, quand on construit, quand on incube un dinosaure ou quand on se déplace en voiture, il n'y a plus de son. C'est trop étrange. Et ça me le fait qu'avec ce DLC. Ouais, c'est hyper bizarre. Ah, j'aurais pu... Est-ce que l'hôtel, on l'a? Je sais même pas si on a fait la recherche pour l'hôtel. Tu vois? Je me demande. On va voir... bâtiment. Bâtiment. Si, je dois voir l'hôtel. Si. Donc on va faire les recherches pour le bowling, tiens. Bowling et tout, comme ça au moins on a pas mal d'activités. Expédition terminée, on va renvoyer. De toute façon, ça c'est souvent le truc le plus chiant à faire. Pour l'Acanthus et en bas le Kentrosaurus. Voilà. Par contre, j'oublie du coup de faire les fossiles. Développe-moi tout ça s'il te plaît. Bien pour le Kentrosaurus.
super, on prélève aussi. On a un petit peu de sous-sous, de toute façon on est à 13 millions quasi, y a pas de souci à ce niveau-là. On est bientôt aux 500 000 dollars hein, d'ailleurs. Hein. Bientôt. Ça c'est cool. Donc ouais, maintenant on va développer un petit peu tout ça. Un hôtel, ça me plairait beaucoup. On va le placer... On le place où l'hôtel? Ici je le verrai bien. Ici je le verrai bien. En plus on a une protection, voilà, juste derrière. Par rapport à... aux tempêtes et tout. Donc ici c'est très bien. Voilà. On va le poser là. Nickel. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde ça. Hein. L'hôtel très très important. Et à côté de l'hôtel il faudrait... développer un petit peu. Alors c'est pas logique de le faire ici parce qu'il y a toutes les centrales électriques. D'ailleurs il faudra bientôt en mettre une nouvelle. Tiens, je vais en mettre une. Une petite centrale. Mais ouais, je verrais bien mettre des commerces ici quand même. Je m'y verrais bien. Ouais. Attends, je vais la poser où? Là apparemment ça ne passe pas. C'est bizarre d'ailleurs. Bizarre que ça ne passe pas. Pour moi ça devrait passer. Tant pis, bon. Je la mets plus loin, je la mets là. Allez, mets là ici un petit peu en plein milieu. On va relier ça à la ligne habituelle. Et là, on va mettre le petit chemin. Super. Voilà, par contre elle est posée un petit peu... Ouais, j'aurais peut-être dû la mettre juste à côté. Bon, c'est pas grave. On va mettre donc ici tout plein de commerces. Hein. Ce serait plutôt une bonne idée, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau? La salle d'arcade. Attends, je vais voir quand même si on peut pas en mettre... Non, là-bas, il y a déjà pas mal de commerces. On peut quand même mettre quelque chose ici, hein. Allez, on met la petite salle d'arcade là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de passages. Beaucoup plus que là où je voulais le mettre à la base. Ça peut être quand même vache intéressant. Mais on va en mettre d'autres évidemment ici, ici aussi. Hein. Boutique de jouets, zone des fossiles. Attends, on avait mis une boutique de jouets là-bas? Ah ouais, je l'avais déjà mis. D'accord. Ah, il n'y a plus d'électricité pour... Ah, peut-être qu'il faut attendre que ça se construise parce que là... 10, 10, ouais peut-être que ça demande beaucoup du coup, hein. C'est quand même gros un hôtel. Ah non, aucun poste électrique. T'es sûr? Attends. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas la portée. Je confirme. Bah allez, un petit poste électrique en plus. Suis-je bête. Là on va le mettre là, potentiellement. Ouais, je vais le mettre là. Et je vais le relier au pylône. C'est très bien. Là, il y a ce qu'il faut, c'est alimenter la nouvelle centrale qui se construit également. Et là, ce qui serait bien, c'est de mettre pas mal de commerce, parce qu'en plus, les gens sont intéressés par le safari, hein, je pense. Hein. Du coup, on va voir si on peut... Normalement, j'avais fait des recherches pour d'autres bâtiments. Ah, bah j'ai tout! Ah, j'ai tout, donc normalement, je suis censé pouvoir mettre tout ça. Tempête en approche. Ah bah tiens, j'ai bien fait de mettre des abris. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas le moment de construire autre chose, du coup, hein. Ouais, c'est pas le moment. Et on est à 500 000 de bénéf. Ça y est, on y est. Je pense que c'est l'hôtel hein, qui y fait beaucoup. Ouais, ouais. Je pense que c'est l'hôtel qui y fait énormément. On va continuer les expéditions. Cantrosaurus. Et là-haut, Polacanthus. Les fossiles. Voilà. Tac, tac, tac. C'est parfait. Avis de tempête. Ouais, tout le monde rentre dans l'abri. Dans les deux abris, du coup. On verra s'il y a un petit peu de dégâts. Hein. On verra s'il y a un petit peu de dégâts. Mais du coup, c'est moins impressionnant vu qu'il y a des bugs de son. C'est beaucoup moins impressionnant. Bon, on va attendre de pouvoir ensuite... Bon, je pense qu'au niveau de la satisfaction, ouais, encore une fois, là, on est bon. Là, normalement, on doit être très très bon. Il n'y a pas de souci. Chers visiteurs, en raison d'une tempête, je vous propose de vous habiter. De vous abriter, du moins. De vous habiter. Oh non, pas une tornade. Oh non. Oh non, 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 non. Tout met pas ça, tout met pas ça. Ah, j'ai pas de chance. Ah, puis en plus il va... Attends, il faut l'endormir vite l'autre. Faut l'endormir, parce qu'il va s'enfuir. Ah mon Dieu, c'est l'enfer. Endors-le tout de suite. Oh. Attends, mais ça va passer partout. Oh nom de Dieu. Ah là là, on a pas de chance. Ça va tout casser. Bon, on va commencer par ça. Ça va tout casser. Réparation ici, s'il vous plaît. Réparation. Réparation. Répare-moi tout ça. Attends, le dinosaure, il est endormi. Apparemment, il veut pas sortir. Hein, ah, il y en a déjà un qui est sorti. Merde. J'ai parlé trop vite. Ah, mon Dieu, la tornade qui vient nous embêter, quoi. Pas de chance. Non, pas équipe de transport. Je vais te demander. Mais non, pas piloté. Putain, qu'est-ce que je fais? Je me trompe de touche. Voilà, ajouter une tâche. Tu vas me l'endormir. S'il te plaît.
Lui aussi. Ça y est, ils sont sortis les deux. Aïe, aïe, aïe. À cet enclos, apparemment, c'est bon. Ouais, apparemment, c'est bueno. Putain, la tornade qui passe en plein milieu. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, les amis. Mon Dieu. Allez me réparer ça, les gars. Allez me réparer ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est infernal. Franchement, typiquement, ce qu'il fallait pas, c'était ça. Et on y... Mais attends, mais... Elle part jamais, la tornade. Elle s'arrête jamais. Nom de Dieu. Viens pas sur mon hôtel que je viens de construire. Non. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout. Ah non. Ah, c'est horrible. Attends, faut vite venir réparer ça aussi, hein. Non mais, elle part jamais. J'hallucine. J'hallucine. C'est dingue. C'est dingo. Tu me répares tout ça? Oh là là, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Bon, elle est partie sinon? Voilà, tout ce qu'il faut réparer. Je pense que je vais le faire moi-même, hein. Je vais faire tout ça moi-même. Y'a pas dinosaure en liberté encore là? Faut réparer ça aussi, les gars. Mais nom de Dieu. Nom de Dieu. C'est bien gentil, mais moi j'y vais. Hein. Attends, je vais réparer d'abord ça. Faut pas que les outils sortent là. Ça va être la galère. Allez. Vas-y. Oui, arrête de parler espagnol, s'il te plaît, merci. Attends, je vais réparer tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, apparemment, elle s'est arrêtée, hein, la tornade. Fort heureusement. Clôture réparée, très bien. Il me semble qu'il y en avait une qui était complètement buggée d'ailleurs. Attends, je vais continuer par là-bas. Apparemment, il y a de la casse. Attends, il y a de la casse aussi au niveau des bâtiments. Les pylônes et tout. Je m'en occupe. Parce que bon, l'IA elle est complètement pétée. Voilà. C'est bon? Oh là, quel enfer. Bon. Bon, on a contrôlé. Menace du dinosaure. Où ça? Où c'est que tu vois une menace? Attends. Non, il est dedans. Du coup, on a perdu, on est loin des 500 000 là. Ah oui, non mais ça va, c'est juste parce que tu te fais attaquer. Attends, il est dans l'enclos? Mort de rire! Il est passé dans l'enclos! Alors attends. Voilà maintenant. On a tout réparé, on est d'accord. On a tout réparé, c'est bon, la situation est rétablie. On peut faire sortir tout le monde, mesdames et messieurs. On peut refaire sortir tout le monde, on est passé à 310 000 au niveau des bénéfices par minute, c'est ouf. Il y a tout à refaire. Non mais je pense que ça va se remettre après assez rapidement, hein. Enfin j'ose espérer, parce que là quand même c'est une descente aux enfers incroyable, quoi. Je m'attendais pas à ça, hein. Là qu'est-ce que c'est? Albertosaurus. Alors Albertosaurus, c'est dans celui-là. Ouais d'accord. Ouais d'accord que c'est ici. Allez. Ensuite, là, Albertosaurus, c'est celui-là également. C'est son poteau. Et c'est tout en fait, il y avait que les deux. Il n'y a pas un seul herbivore qui s'enfuit? Eh non, ils sont restés bien gentiment, mine de rien, mine de crayon. Ouais, ils sont restés bien gentiment dans leurs enclos. Franchement, vous êtes vraiment cool les gars. Je suis fier de vous. Ah ouais, très bien. Donc on va les replacer, j'espère que ça va grimper, hein, parce que là franchement, on n'a pas eu de chance quand même avec la tornade. Hein. Alors quand il y a des tempêtes, c'est chiant, mais en général ça se contrôle. Mais quand en plus t'as une tornade, c'est ça qui fait mal quoi. Ça fait extrêmement mal. Allez, on va continuer les expéditions. Hein. Pour la construction, on a 42%, on a bientôt le génome. Ça ne saurait tarder. Et on a qu'un site de fouille hein, qui le concerne. Donc, aucune pénalité de bien-être, moins 527. Bah, tu m'étonnes, attends, les dinosaures, ils aiment pas les tornades, je pense. Hein, c'est un peu logique. Moins 527, putain, c'est énorme. Hein. Bon, c'est bon, on est recommencé à 4, on est revenu à 400 000 dollars. J'espère que ça va venir très vite à 500. On va remettre, du coup, on va continuer à mettre des boutiques. Voilà, salle d'arcade, on a mis boutique de jouets. Zone des fossiles, on l'a. Mais en fait, j'ai tout mis. Ah non, nouveau, bowling. Attends. Bowling et boutique de prêt-à-porter. On va mettre une boutique. Je vais en mettre où? Je vais... Est-ce que je peux encore en mettre ici? Je pense qu'on est un peu limité. Il n'y a pas trop de passage ici, j'ai l'impression. Là par contre, il y a plein de gens. En même temps, il faut dire qu'ils viennent de sortir de l'abri. Hein. Donc non, je pense qu'on va le mettre là. Ouais, on va le mettre là. Allez. On va essayer de le placer ici, ça peut être une bonne idée. Boutique de prêt-à-porter.
J'espère que ça va rapporter. Et on va également mettre par ici. Ça peut attirer les visiteurs éventuellement. Le bowling. On le met là, le bowling ? Allez, on le met là. Ça ira très bien. Dinosaure mort. Ok. Il est où, ce dinosaure ? Il est où, ce dinosaure ? Il est par là. On va devoir le virer. Allez, hop. Et le remplacer, si possible. Bénéfice par minute, on est bientôt à 600 000. C'est cool, ça y est. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de faire d'autres commerces. Allez, nouvel enclos, on va le faire ici. Non, on peut pas. Non, non. On peut pas parce qu'on a le passage. Donc, à la limite, on va le faire après. Voilà, on va le faire là. Ça peut être bien. Oh, c'est pas vrai, faut toujours qu'on m'embête. Toujours qu'on m'embête, là. Allez, donc vidéo qui sera assez longue, quand même. Oui, oui, oui. Après, ça dépend si je fais des petites coupures. Très possible. Vous me connaissez. Voilà. Dinosaure mort. Voilà. Crotte. Voilà, ça me paraît bien. Ouais, on le fait grand, comme ça on assure. Crotte, crotte, crotte. Là, par contre, il est long, non ? Ouais, je le fais long. Quoique, faut quand même de la place. Hein. Si on en met plusieurs, en plus après, faut compter qu'on met la flotte, qu'on met éventuellement quelques arbres, qu'on met la bouffe. Ah, c'est bon, c'est fermé. Ouais, j'ai même plus le bruit de quand on clôture complètement un enclos, tu vois. Ah ouais, je l'ai fait en long. C'est marrant. Je l'ai fait un peu plus en rectangle, celui-là. Ok, bon, une porte. Une porte, une porte, une porte. Voilà, tout. On va la mettre là. Faudra mettre des galeries et tout après si on veut faire les choses bien. Le reste, on verra. Bon, il leur faut juste un petit peu d'eau, ça c'est une certitude. Voilà, on leur met un petit peu d'eau pour être sûr qu'ils ne meurent pas de soif. Donc, je les incube ici. Mais je devrais pas parce que ça se trompe, on va peut-être devoir les transvaser là-bas. Je vais mettre un labo. Mettre un labo. Je vais le mettre où ? Je vais le mettre là. Ah, attends. Coca-Cola, non, on mettra peut-être... Je vais mettre de l'autre côté plutôt. Attends, je peux le mettre de l'autre côté ? Il y a moyen ? Yes. Voilà, je le mets par là. Effectivement, il n'y a plus de son, il n'y a plus les impacts, c'est bizarre. Donc là, je vais amener un petit chemin. Par contre, j'ai les contraintes du bâtiment. Les arbres, hein, toujours qui nous ennuient. C'est pas cool. Voilà, petit chemin. Nickel, comme ça au moins c'est relié. Il me faut un poste électrique dans cette zone. Grand poste électrique. Tu vas le mettre où ? Tu vas le mettre là ? Allez, tu vas le mettre là. Et là, on va faire venir les poteaux. On va passer ici. Nickel. Voilà. C'est fait à la va-vite. Hein. Encore une fois, mais on essaie de faire les choses correctement. Ensuite, qu'est-ce qu'on enlève ? Oh, un stégosaure ! On va essayer d'en remettre un autre. Stégosaure, est-ce qu'il... Interaction. Ah ouais, il manque d'interaction, faut vite en remettre. Des stégosaures. Allez, let's go. Stégosaure. On va le modifier aussi le génome, tiens. Si on veut augmenter la note du parc. Ça peut être toujours très très cool. Voilà, espérance de vie. 99. Là, ils tiennent longtemps, hein. En plus, sans compter qu'ils ont bien à manger. On les nourrit très bien. Franchement, c'est intéressant. On reste toujours au moins à 35%, 4, 5, 6, 7, parce qu'après on a plus 40%. Ouais, on va mettre comme ça. Défense, 29%, allez, on va tenter à 29%. C'est un peu risqué quand même, parce que ça fait 29 plus 40, 4, 5, 6, ça fait 69%. Là, on peut très bien avoir une incubation qui foire. Hein. C'est pas impossible. On verra. Mais je ne parierai pas là-dessus. Du coup, là, ça me paraît pas trop mal. Ici, c'est prêt pour les accueillir. Donc on va voir, Kentrosaurus, on va voir comment ça se passe. Et bienvenue, peut-être chez toi, si jamais ça se passe bien. Ah bah attends, fallait peut-être pas mettre un stégo là. Attends. Ah si, c'est bon. C'est pas grave contre les stégos, par contre l'autre, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouh, endors-le, c'est pas pour les stégos. C'est pas pour les stégos, j'avais oublié pour le mangeoire. Mon dieu, faut penser à tout, c'est horrible. Je parie qu'il va se dépêcher d'aller... Oh le con, oh le con. Oh le con, arrête-toi, ne va pas si vite. Pas si vite! Sinon il était bien. Oh putain, il va chercher à manger direct là-bas. Oh le con, non, tu vas t'intoxiquer. J'enlève. Je lui ai enlevé. Tu vas t'intoxiquer. Non, c'est pas bon, je vais vite enlever. Sérieux quoi.
Eh, il est plus petit que l'autre, en fait. On le voit comme ça avec la vue d'oiseau. Ouais, je leur ai enlevé leur mangeoir pour pas les intoxiquer, quoi. Mon dieu. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est palmier ou bois putréfié. Attends. Ouais, on va leur mettre bois. Hein. Du bois, du coup. C'est ce qu'on leur avait mis. Endors-le. Oh, c'est terrible. Ouais, c'était typiquement pas pour eux, quoi. C'est dingue. C'est dingue, j'allais encore me faire avoir. Et l'autre, je vais l'incuber alors qu'il faut pas le mettre là. C'est ça, le truc. Ah, ouais. Admettons, attends, le bois... Parce que t'es gentil, mais le bois... Fais voir. Le bois, ok, c'est pas pour les stégos. Et prêle non plus, alors. Ah, ouais, voilà, donc les deux, ça va pas du tout. C'est ce que je me disais. Donc l'un dans l'autre, je le fais rentrer, mais faut que j'endors vite. Donc, tu sais quoi, je vais le faire rentrer aussi, lui. Et je vais l'endormir aussi. Je vais endormir les deux et je vais directement les faire transférer. Putain, ce bordel. Vas-y. Avant de remettre justement le truc, quoi. Direct, il arrive, je l'endors. Diou. Allez, ensuite, l'autre, je vais le transvaser dans l'enclos d'à côté. Et on va gérer leur mangeoire. Tranquillement. Attends, mais je le vois plus. Ah, il est là, mais du coup, vu qu'il y a des arbres, ça dérange tout le monde, quoi. Attends. Ça dérange tout le monde. Voilà, je le vois comme ça. Nickel, je vais juste le transvaser. Le transvaser, choisir la destination. Voilà, c'est là. Hop là, faudra peut-être agrandir un petit peu l'enclos. Bon, on peut, après, il y a un côté, on... même deux, enfin, de tous les côtés, en fait, on peut l'agrandir, presque. On va le transporter là-bas. Celui-là, il est endormi, donc pareil. Pareil, tu vas me le transporter là-bas. Direct. Et là, par contre, faut leur refaire un mangeoir. Veuillez m'excuser, messieurs, mais j'étais obligé, sinon intoxication alimentaire. Pas les mangeoirs pour petits herbivores. Voilà. J'étais un petit peu obligé. Je m'excuse pour cette méprise. Donc du bois. Sélectionné. On pouvait mettre prêle ou pas? Parce que prêle, je sais qu'ils aimaient aussi, hein. Ouais, d'accord. Attends. Prêle, ils aimaient bien aussi. Si on peut leur faire un petit mélange. Ouais, prêle et bois. Y a pas de souci avec les grands. Intoxication. Ah si. Donc on va éviter. Juste bois. C'est ce que je me disais. Voilà pourquoi j'avais mis ça. On n'a pas trop le choix ici. Ok. Sélectionné. Confirmé. Alors maintenant faut que je le remplisse. Donc ok pour eux. Là on va le remplir. Ajouter une tâche. Tiens, je vais le laisser aller là-bas. Je vais en profiter avec l'autre. Non, avec l'autre j'ai dit. Donc la première équipe. Pour m'occuper de cela. Voilà, ça m'évitera de le refaire après. Très bien. Donc, est-ce qu'ils sont bien arrivés à bon port? Ouais, ça arrive. On va voir un petit peu comment ça se passe, ce qu'il leur faut. Plus de forêt, plus de prairies. Mais ça avait l'air correct, là. Est-ce que les brachiosaures, ça leur va niveau forêt? Parce que je leur ai retiré des arbres, j'ai pas été gentil. Apparemment, ça leur suffit. Tu me rassures. Donc, ça va bien, ça va se remplir. Eux, ils arrivent. Alors, comment ça se passe? Population, interaction. Ouais, pas assez de population, effectivement. Pas assez d'interaction, il leur en faut d'autres. Donc directement, je vais incuber. Non pas des stégosaures, mais des chanthrosaurus. Allez, 1 et 2. Fais voir. Interaction. Ah ouais, il leur en faut beaucoup plus, hein. Ouais. Cherche à boire. Donc c'est bon, je t'ai mis à boire. On va leur mettre. Je leur ai pas mis de mangeoire. Non. Faut penser à tout, c'est dingue. Mangeoire. Là. Mangeoire pour petits herbivores. On va le mettre là. Par exemple. Alors. Enfin, le paléo mangeoire, du moins. On précise. Donc, pour eux, nous disions. Il leur faut. Alors, assimilé, trilobé, il me semble que j'en ai pas. Mousse, cicasse. Cicasse, je peux. Fais voir. Qu'est-ce que j'ai dans ma serre? Ah, si, je l'ai. Attends, je peux mettre pour vous, les gars. Je peux. Par contre, attends, pour le polacanthus. Le polacanthus, ça ressemble à quoi? Le polacanthus. Je me demande où on va les mettre. Bon, on va leur faire ça. Allez, je sais pas trop. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Allez, on va leur faire plaisir. Bah oui, allez, on va leur faire plaisir aux deux là. Je vais remettre ce qu'ils aiment vraiment, quoi. Choisir les plantes. Aller planter en plus, donc autant en profiter, sélectionner. Bim, confirmer la sélection. Voilà, maintenant faut juste le remplir. Eh ben on a presque fini, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'on a presque fini, mesdames et messieurs.
Vous le voyez, il ne reste plus qu'à remplir le dernier objectif. Bien reçu. On réapprovisionne ça, dinosaure mort. Ah, c'est un petit, c'est un Stiggy. Il y a tellement d'opérations à faire à la seconde. C'est ouf. Ah, c'est vrai qu'on a les stégos. Les deux stégos. Échec de l'incubation. Un Kentrosaurus, on va en faire un autre. Voilà. Et là, 546 000 par minute, donc c'est bon pour l'instant à ce niveau-là. Là, on attend que ça se remplisse. C'est une voiture qui arrive. Ouais, c'est bon. Population interaction, à vivement qu'ils arrivent, que les autres arrivent là. Ah, j'ai oublié ça. Tu m'étonnes que c'est long. Je me disais que c'était long, moi aussi. Incroyable. Attends, on a combien de pourcents d'attache d'interaction? Ah, mais c'est pour ça que ça va échouer. D'accord, on va mettre deux fois. Bon, si ça échoue, on le relance. Hein. Allez, pour la Cantus. Fait rentrer le Kentrosaurus. Donc il leur faut ouais, de la population et de l'interaction avec d'autres de leur espèce. Il faut les deux. Allez, il rentre. Donc c'est bon, test d'incubation et surtout amélioration de la viabilité 2.0. Ça va pour l'instant, ils mangent. C'est bon, on a stabilisé la population et l'interaction. Donc 3, c'est déjà pas mal. Il en faudrait un quatrième quand même après, hein, derrière. Mais je vais faire un deuxième Polacanthus. Quand même. Donc là, on a 4, 5, 6, 64% de chances d'incubation. Ça peut échouer, hein. Ça peut échouer parce qu'on prend quelques risques. Mais là, on est très bien. Satisfaire les besoins paléobotaniques d'au moins un dinosaure parmi les herbivores disponibles. Ah, mais on n'est pas obligé de tous les mettre. Parce que tu vois, j'ai développé le génome du Polacanthus et tout. Mais en fait, je suis pas obligé. Regarde, l'objectif a été validé. Ah, je m'embête pour rien, en fait. C'est pas obligé du tout. Par contre, à le safari, on pourra le refaire et le faire passer ici, tu vois. Parce que là, du coup, on a les trois enclos herbivores. Dommage qu'on puisse pas aller là-bas, parce que du coup, je l'ai pas conçu en fonction du safari. Mais non, du coup, ça paraît bien, là. Ça paraît très très bien. On a bientôt fini la mission. Aucune pénalité de bien-être. Moins 6. Pour l'instant, ça me paraît bon. Hein. Attends, où est-ce qu'on peut avoir des pénalités de bien-être, là? Ah, c'est eux! Ok. Il leur manque des petits. Je suis con. C'est eux qui vont pas. Voilà. Donc là, je pense qu'il suffit de leur mettre deux collègues et ce sera bon. À tous les coups, c'est ça. À tous les coups. Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'est pas obligé d'amener le Polacanthus. Échec de l'incubation. Pas de chance. Garde détruit. C'est pas grave, c'est pas grave. Polacanthus, ouais, dur, dur. Hein. Allez, on va le transférer. Moins 28, mais ça va remonter. Je me fais pas de soucis. C'est juste que le jeu, il faut qu'il se calme. Allez, on fait rentrer le Polacanthus, mesdames et messieurs. On le transfère, on a balancé un deuxième. Et Polacanthus, normalement, qui devrait se satisfaire de la simignée trilobée. On revérifie. Oui, préférence principale en plus. Incroyable. Alors là, franchement, incroyable. Et lui, c'est quoi? Pareil, elle et deux, ils vont super bien ensemble en vrai. Nourriture. Ah! Il est affamé, lui. Bah t'es gentil bro, mais... Ah lui aussi, ah attends. Inhalation affamée, mais c'est juste qu'ils sont en train de crever. C'est tout. À tous les coups, parce qu'ils ont à manger. Bah oui, ils sont en train de crever, ils sont en fin de vie. C'est bizarre. Très bizarre. Attends, ils ont quel âge? Ils ont quel âge au juste? Attends, alors déjà. Espérance de vie moyenne 89. Ouais. 21 ans. Ah bah non, c'est pas normal. Pourquoi ils mangent pas? Est-ce que tu peux aller bouffer, s'il te plaît? Merci, tu seras gentil. Mais arrête de boire. Non, non, allez, faut qu'il aille manger. Sérieusement, là. Là, on est très bien, en plus. Là, on est très, très bien. On a 17 millions de dollars. Je veux dire... qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tiens, tu sais quoi? On va en profiter juste pour continuer les expéditions. Bon, ça sert plus à grand-chose. De toute façon, je pense qu'on va finir le DLC, là. Suffit qu'il aille manger. Mais voilà, quoi. Autant finir les petites recherches. Tant qu'on y est. Les petites recherches, allez, on va en faire une ou deux. Si on a quelque chose. Fossile terminé. C'est bien ça. Recherche génétique. Ouais. Bâtiment. Tiens, on n'avait pas pris la dernière. Gingo. Bon, ça aurait été peut-être bien. Je sais pas. Ah, c'est bon apparemment. Nice. Il a enfin mangé. Eh ben, je suis content. Le DLC est terminé. Oui. Vous avez réussi. Tout ce travail a enfin porté ses fruits.
Nous avons créé le refuge idéal pour nos dinosaures. Cette île magnifique peut enfin être le foyer dont ces bêtes majestueuses avaient tant besoin. Le sanctuaire, le nouveau foyer des dinosaures. Grâce à vous, ils ont enfin un endroit où ils peuvent être en sécurité. J'ai rempli ma part du marché, Finch. À votre tour. Claire, ce que votre équipe et vous avez accompli tient du miracle. Je ne voudrais rien faire qui puisse compromettre cette réussite. Le sanctuaire est pour les dinosaures. Évidemment. Et pour ceux qui sont prêts à payer afin de vivre l'expérience d'un safari paléontologique ultime. Oh, les choses ne changeront donc jamais. Disons qu'elles évoluent. Et voilà les amis, c'est terminé ce DLC, le sanctuaire de Claire vidéo, qui fut alors un peu longue pour moi, ça fait 1h22 que j'enregistre. Toutefois un peu moins longue que celle d'hier, pourtant on a fait 2 missions et il y a une seule. Elle a été super dure hein, en vrai, fallait vraiment trouver le juste milieu. Et en même temps, là on s'a... comment dire, ça nous préparait un petit peu à ces 2 missions d'aujourd'hui. Alors attends, est-ce qu'on peut le passer de générique? Ah bah oui. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ce DLC vous aura plu, moi je l'ai bien aimé. Alors petite préférence quand même pour retour à Jurassic Park, mais c'est... voilà, c'est de retour en 93. Oh, ils vont se faire un bisou. Allez, pour finir... oh, ça aurait été mignon, dommage. Ce vent, et ouais, non, c'était... un petit peu mieux, je trouve, le DLC Retour à Jurassic Park. En même temps, il est plus récent, mais ça jouait beaucoup sur la nostalgie. Encore une fois, mais le Sanctuaire de Claire, bon DLC, franchement, ça fonctionne bien. On a également le système de safari, non, franchement, je me suis bien amusé. On a galéré un petit peu, surtout hier, mais sinon, ça s'est extrêmement bien passé. Et merci à vous, bien sûr, pour tous vos retours dès demain. Je vous l'ai dit, du coup, nouveau design sur la chaîne YouTube. J'espère que vous serez présents pour me donner vos avis. Voilà, n'hésitez pas à me joindre également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est important. Et puis voilà, merci à tous. Joyeux Noël encore une fois à tous. Passez de bonnes fêtes, vraiment, et amusez-vous bien. Merci à tous, et à très vite. Ciao, ciao.